بتتأسى في الوطن من أجل دمك أخي يركض بسلام ذكرى فينا ما بننساها أخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام أخي ما بيوصف معنى كلمة تكون إنسان أخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي أخي أنت لم تمت أخي عشت بنصي أخي لن تختفي أخي لا يتخلد اسمك في غزتي أخي Alors, je pense qu'il est très important, parce que les médias n'en parlent pas, de savoir que cette grande démocratie, que ce modèle de civilisation, que cette armée la plus morale du monde dont on nous parle en parlant d'Israël, eh bien, torture systématiquement les adultes et les enfants. C'est très important que vous le sachiez et que vous le fassiez savoir. Je rappelle qu'il n'y a pas de loi en France qui interdisent le boycott d'un État de manière citoyenne et de manière pacifique. Elle n'existe pas, cette loi, et donc il ne faut pas nous raconter n'importe quoi. Oui, il y a eu un vote de la mairie de Paris, ils ont fait un vœu, c'est symbolique, ça ne vaut rien sur le plan légal. Oui, il y a eu récemment des arrêts de la Cour de cassation, un arrêt de la Cour de cassation qui a condamné 14 militants de Mulhouse parce que à l'intérieur d'un magasin, ils avaient appelé au boycott des produits israéliens. Ça ne fait toujours pas une loi. Il y a aussi des tribunaux et même une Cour de cassation qui ont approuvé les militants, qui les ont relaxés, qui leur ont donné raison sur le boycott. Donc pour le moment, je dirais que bien entendu, il y a une très grande offensive israélienne qui met des moyens énormes, des millions et des millions, des centaines de millions dans tous les pays en ce moment pour essayer de contrecarrer le boycott. On ne va pas donner de l'argent qui va profiter à une armée d'occupation. On ne va pas donner de l'argent à des tortionnaires d'enfants. Qui va nous forcer à acheter leurs produits des colonies israéliennes illégales? Qui va nous forcer à le faire? Est-ce que vous pouvez me dire comment ça s'est passé pour l'Afrique du Sud de l'apartheid? Ça a pris longtemps. Vous savez, la ségrégation des Noirs et des gens, ils disaient « colored », c'est-à-dire qui étaient y compris indiens, qui n'étaient pas blancs en Afrique du Sud, ça n'a pas duré 10 ans ni 20 ans, ça a duré plus d'un siècle. Ceux qui nous font le chantage à l'antisémitisme en permanence doivent savoir que ce n'est non seulement pas une question de religion, que c'est bien une question de colonialisme et de barbarie, mais qu'en plus, il y a en Israël des juifs qui défendent courageusement les droits fondamentaux des Palestiniens, quitte à aller en prison. Il y a des gens aussi qui appellent au boycott d'Israël. C'est le cas du journaliste Gideon Levy, qui écrit dans le quotidien Haaretz. Et c'est le cas d'autres personnes, comme Ilan Pappé, qui est un historien israélien juif également. Et vous verrez sur les affiches ici que bon nombre de personnes connues dans le monde, y compris juifs comme Dustin Hoffman, appellent au boycott d'Israël. À propos de chantage à l'antisémitisme, on va vous lire à plusieurs quelques citations d'opposants israéliens. L'armée israélienne peut capturer, abattre des terroristes, mais quand le terrorisme traduit la volonté de survie d'un peuple, il ne peut être combattu qu'en accordant sa dignité à ce peuple. Croyez-vous qu'un peuple puisse accepter la patrie de Bandoustan que vous lui proposez? Accepteriez-vous que les frontières d'Israël soient surveillées par un gouvernement étranger? Ne comprenez-vous pas que le Palestinien a le même droit à l'indépendance que l'Israélien? Auriez-vous oublié la blessure du mépris? Théoclin, franco-israélien, avocat, ancien président du CRIF. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oui, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Bientôt l'occupant connaîtra le prix du sang et des larmes. Des investissements
sanctions. Boycott, désinvestissement, sanctions. Si dans ton supermarché, tu trouvais au rayon frais les fruits et les légumes de l'occupation. Boycott, désinvestissement, sanctions. Boycott, désinvestissement, sanctions. Qu'est-ce que tu dis? Boycott! Qu'est-ce que tu dis? Boycott! Et qu'est-ce que tu dis?